Conditions d'une inhumanité féroce à l'assaut des autres, ceux d'en face. Ceux d'en face qui, comme eux, combattaient dans le froid, la boue, l'absurdité depuis tant de mois, tant d'années. Ceux d'en face qui leur ressemblaient tant, les mêmes rêves, les mêmes loisirs, les mêmes amours, le même amour de la vie. Mettre en avant le gâchis et puis les atrocités de la guerre et l'importance de la paix. Certains soldats n'aient pas voulu suivre certains ordres complètement inadaptés, c'est tout à fait compréhensif. Et le fait qu'ils aient été fusillés pour l'exemple, et puis qu'il soit frappé d'indignité, me paraît être tout à fait injuste, vu le contexte, et donc je me bats pour la réhabilitation également de ces fusillés pour l'exemple. Concernés par ça, parce que faut voir ce qui est raconté à nos élèves et à nos enfants dans les écoles concernant cette guerre, et puis faire passer ce message que cette guerre c'était une guerre impérialiste, et que les fusillés pour les gens qui sont révoltés contre ces valeurs-là, faut les réhabiliter. Donc c'est pour écrire finalement une autre histoire de celle qui serait une histoire dominante finalement. Oui, c'est pour faire entendre une autre voix, faire entendre qu'il y a des gens qui n'étaient pas d'accord, que cette union sacrée finalement, c'était pas ça, et que même dans les tranchées, ils réfléchissaient et ils avaient une conscience et ils s'insurgeaient contre cette injustice-là. Président de la République, en évoquant le grand soldat que fut Pétain pendant la Première Guerre mondiale, nous dévoile encore plus nettement son regard sur cette guerre. Pétain, un grand soldat en 14-18 et un traître en 1940, les historiens ne sont pas du tout unanimes à présenter le commandement de Pétain comme irréprochable. Ce que nous savons, nous, c'est que ce général en 1915 déclarait « Pour maintenir l'esprit d'obéissance et la discipline dans les troupes, une première impression de terreur est indispensable. » Poignons se harnèrent, car c'est pour eux qu'on craint.
Payez-la de votre peau. Si vous voulez.